Oh ta gueule. Rage Build, Supra Vandal, arme principale qui est une version personnalisée du puissant Supra. Vous êtes vraiment sérieux avec vos conneries là? Présentant une finition métallique et l'emblème du Lotus. Mais non, mais Vandal c'est Corpus, pas Lotus, mais même là vous vous êtes foiré sérieux. Bon allez, l'obtention, bah il va falloir attendre l'arrivée du voleur du néant, un barreau qui tire, hein, pour vous faire arnaquer de 275 000 crédits et 500 ducats. Pour les stats, rang de maîtrise 14 mini. Non mais vous êtes vraiment sérieux, mais même à rang 14, il en veut pas de cette merde. Dégâts de base de type physique avec 4 d'impact, 32 perforations et 6 de tranchant. Et vous pouvez pas mettre encore moins de dégâts, les gars? Critique 16%, multiplicateur 2. Là je sais pas quoi dire, là, franchement. Cadence de tir 12,50, chargeur 300, recharge 3 secondes. Eh ben on augmente de plus en plus les saloperies. Chance de statut 30%. Et il y a au moins un truc qui est pas dégueulasse. Type de gâchette, automatique. Un build, 3 formats, pff, rien que ça, et en plus y'a même pas d'exilus quoi. Dentelure, dégâts, ouais, bah 165% de 0, hein, ça fait toujours 0. Chambre divisée et armement du vigile, bah pour du tir multiple, bah, histoire de tirer encore plus de balles en mousse. Frappe tendue et perception vitale pour du crit et du dégât des kits, au moins ça mettra de la couleur. Balle cryogénique accrue et force maligne pour du viral, je crois qu'avec une bonne grippe ça leur fera plus d'effet. Munition du chasseur pour du saignement sur du critique, bon bah y'a pas tout acheté non plus hein. Avantage, gros chargeur, enfin encore heureux vu le nombre de balles qu'il faut pour tuer un ennemi. Bonne précision, enfin si vous arrivez à tenir l'arme en place. Hein. Bonne chance de statut, pour appliquer encore plus de perforations, hein, bien évidemment. Désavantage, le temps de recharge. Merde les mecs, 3 secondes quoi. Ah, ça tire 3 projectiles à la fois. Vu les dégâts, on croirait pas. Hein. Les projectiles ont du travel time. Bah tiens, elle avait pas assez de tard cette arme. Ah bon allez, je vais abréger vos souffrances. C'est terminé pour la vidéo, voilà, j'espère que ce petit nouveau concept vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qu'il y aurait à améliorer ou non d'ailleurs. J'attends vos retours avec impatience. Comme toujours, commente, like et partage pour me soutenir. Passe faire un tour sur ma chaîne Twitch pour assister à mes différents lives. Pour me suivre, les liens Facebook, Twitter et Discord sont dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye! Allez, coupe-moi cette merde, c'est bon là.